Bonsoir, ah, c'est l'heure. Bon ben, vous voyez, je suis prêt. On va faire une séance ce soir avec le ballet. J'ai bien dit le ballet, parce que j'ai fait des séances déjà avec des manches à ballet, ça c'est connu, d'accord? Mais on va reproduire tous les mouvements que vous pouvez faire quand vous êtes en train de nettoyer, et tout le monde a dû s'activer, c'est le jour au dernier, à nettoyer. Donc, on va reprendre tous les mouvements que vous faites avec le ballet. Et on va aussi surtout revoir l'ensemble des mouvements qu'on a pu faire pendant toutes les séances jusque-là. D'accord? Je vais prendre le temps de bien vous montrer comment faire et quoi faire. On va bien décomposer le mouvement et ensuite on accélérera. D'accord? Si je travaille avec un manche à balai ou avec un balai là, c'est pour vous apprendre à travailler votre coordination motrice et votre symétrie, ce qui est très très important. D'accord? Bon, au-delà du fait de se faire plaisir et de bouger, de faire plein de mouvements, tous les mouvements que vous allez faire là, c'est des mouvements de musculation. Ils ont tous un nom, d'accord? Et ils travaillent tous une zone du corps particulièrement. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête pour autant, mais de cette façon, je suis sûr que vous allez devoir pouvoir tendre les bras en même temps quand on va travailler comme ça, par exemple, pour les triceps. D'accord? C'est un exemple parmi d'autres. Je vous explique, Jérôme va nous mettre un petit peu de musique, ça va aller lentement, le temps de vous expliquer, de vous faire retrouver tous les mouvements qu'on a pu faire, d'accord, auparavant. Ensuite, on accélérera. Ceux qui veulent, à ce moment-là, enlever le balai au bout du manche à balai, faites-le, sauf si vous êtes chez vous et qu'il y a du carrelage, parce que ça va glisser. Donc, c'est pas pour rien que je vous ai demandé le balai, l'appui sera plus. C'est plus stable. Et interdiction formelle, bien sûr, d'abîmer son balai parce que ça vous rendra service encore demain. Right? Allez, assez de parlotte. On est parti. Et on commence par les oublis. Donc, pour être sûr que vous allez bien descendre droit de chaque côté, tenez le manche à balai bien à l'horizontale. Et on y va tout doucement. On appuie droite ou gauche. Et on se tient droit. On place bien ses pieds. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes nombreux. On est non seulement confinés, mais en plus c'est férié. Tout le monde a mangé. Tout le monde a bien digéré. Allez, on met le balai à droite et on insiste donc du côté où on a le manche à balai et on se tient bien droit. Sur les mouvements, il n'y aura rien de nouveau, mais vous allez travailler beaucoup plus ciblé. L'autre côté, pareil. Allez, sur les épaules, manche à balai. Et on va chercher direction le sol et les chevilles. C'est quoi? Ça fait si on dit hier soir était aussi courte alors? Pas possible. On remet le balai à droite, vous travaillez la deuxième façon de travailler les obliques. Vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué. Si ce n'est que là, vous êtes bien droit, bien positionné.
biceps. Quand on travaille à deux bras, on pose bien les deux mains de la même façon et on ramène. Ça, c'est pour les deux bras en même temps. Quand on travaillera d'un seul côté, on tourne une main, d'accord, et on fait biceps, bras droit. On garde le bras gauche tendu. Allez, on change. Je travaille le biceps sur le bras gauche, j'ai le bras droit bien tendu. Ok. On fait aussi souvent des extensions. Donc, vérifiez la position de votre balai parce que ça peut faire bizarre. Hein, d'accord? Si vous le rapprochez de trop, mettez-le bien à la verticale. Je tends le bras gauche, je plie mon bras droit et on est parti, on enchaîne droite, gauche. Pareil sur les épaules, on tend bien à côté, bras gauche tendu et on ramène bras droite. On est bon pour les mouvements sur les bras. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Maintenant, même chose pour les jambes. Tous les mouvements qu'on peut faire, monter le genou, il y en a qui ne sont pas capables de sauter. Peu importe, on fixe la jambe droite, on pose le manche à balai à droite, on tend le bras, monter le genou. Celles qui sont capables de sautiller, sautiller jambe droite. Et voilà le travail. D'accord? Et bien sûr, on le fera dans tous les sens. Donc, j'envoie, je ramène. J'envoie, je ramène. J'envoie, je ramène. Ok, de l'autre côté pareil. À gauche, montez de genoux. Vas-y. Pour ceux qui peuvent. Selon eux qui ont la chance de pouvoir se soutiller sur la jambe. Côté. C'est bon? On peut démarrer la séance. Pour le reste des mouvements, vous allez pouvoir suivre. D'accord? Vous aurez de tout. Hein, on aura le manche à balai devant. Ça consiste à faire des cirques. Celles qui n'arrivent pas à faire des cirques, faites des ronds. Voilà, c'était le contenu de la séance. C'est maintenant que ça démarre. Allez, je vous laisse 30 secondes. Buvez un petit gorgeon. Ceux qui le souhaitent, je pense aux messieurs qui vont le faire, équipez-vous d'un balai, ça va vous promener, d'accord ?
Vous qui esquivez le balai, là, les messieurs, vous qui esquivez le balai, prenez-le pour ce soir. Et je vous autorise à enlever le balai au bout et de garder que le manche. D'accord? Faites attention pour vos appuis. Le but, c'est que ça ne glisse pas. D'accord? Faites en sorte que ça ne glisse pas. Là, on est bon. Ok? On est parti, on démarre sur nos obliques. On va accélérer un tout petit peu, bien évidemment. Let's go, my friend! Tendez bien les bras. Allez, de côté pareil. Hop.
jambes quand vous pliez les bras. Allez, descendez sur les jambes. Allez, on monte les bras. Thank you.
va. On chante. Ça y est. Faut que ce soit propre, hein. À la fin de la séance, on sera propre partout. Attention pour ceux qui sont proches de l'écran. J'ai enlevé l'étoile d'araignée sur l'écran. De bas en haut, bras tendus. Laissez pas vos épaules partir en avant. Restez droit. Fléchissez sur vos jambes. Et profitez de la douceur du mouvement du ballet. Dans les coins. Changez de main. Allez, on est toi. Faut que je fasse attention parce que je vais brosser les dents aux musiciens. Ceux qui regardent l'écran de trop près, attention. Les coins. Essuyez-vous les pieds avant d'entrer. Essuyez les pieds, essuyez les pieds.
Et on tourne en haut.
tourne en haut. Tendez bien le bras gauche, prenez l'extrémité, ramenez bien le bras droit et alignez le tout sur vos épaules. On y va? On déplie à droite et on replie à gauche. Et l'inverse. Tendez bien votre bras. Bien le laisser se reposer.
deux secondes. Fixez bien votre regard en avant. Fixez bien vos pieds. Côté. Et c'est à ce moment-là que je vous dis souriez! Continuez de liker, continuez de partager. Ah, et on fait toucher les coudes de chaque côté. En se tenant bien droit. Ah, on va s'asseoir un peu pour se reposer. Et on touche, jambe droite, jambe gauche. Bon, chacun sa conception du repos, hein. Tenez-vous droite. Faut que je vous voie en face de la caméra, là. Regarde à moi. Yeah. Bon, maintenant, il n'y a plus que les amis de Cayenne. Il y a aussi les amis des amis de Cayenne, là, non? Je pense qu'il faut me reposer, en fait je suis fatigué là. Allez, tendez bien vos bras. En mettant la pole. On envoie le balai, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Changez de côté. On est là pour brûler des calories, faire le maximum de mouvements. Ne vous prenez pas la tête, lâchez les freins. On sert l'instant présent.
Allez, bah, il va falloir commencer à nettoyer un peu le plafond. On est parti. Main droite. Extrémité, main gauche. À l'extérieur. Et on nettoie. Après le confinement, la salle devrait être propre. Hein. Ça n'aura jamais été aussi propre. Allez, moitié pour ma gauche, moitié pour ma droite. Ça s'entend bien grand, on prend pas le dessus.
Attention, on fait 2 minutes avec les haltères, 2 minutes sans les haltères, et après on libère la ligne, on rentre la ligne. Right? Juste pour que vous retrouviez les mouvements. Allez, ceux qui n'ont pas d'haltères, faites main vide, vous pouvez continuer comme un chevalet si vous souhaitez. On a vu les biceps, on ouvre bien les bras. Tenez-vous droit et affichez un large sourire. Je profite de ce moment de calme pour dire à tout le monde un coucou. Merci à mon frère et à mon neveu. Coucou à toute la famille qui regarde. Coucou à tous les adhérents. Coucou aux amis de Cayenne. Ce mouvement on l'a pas fait, gardez les coudes bien à hauteur des épaules, on touche les coudes. C'est bon pour les haltères. Allez, 2 petites minutes. C'est le moment où je vais venir chez vous pour voir si vous avez bien nettoyé. Attention à la marche. Dernière vérification, c'est propre. Voilà. Je remets ma main sur un petit truc. Qu'il soit tranquille. On revient au calme. On a bien bossé. Et on va repartir sur nos obliques. Tranquillement. Et on termine là-dessus. Ça va tout le monde? Tout le monde prend du plaisir? En tout cas, moi je vous le redis, quelle chance j'ai de pouvoir faire ce que je fais. Mais quelle chance! Bisous à tout le monde! Bonjour à tous ceux qui bossent avec moi d'habitude. Bonjour à tous les nouveaux, les anciens nouveaux. Ce soir, on a travaillé avec le manche à balai, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour corriger votre symétrie dans vos mouvements. D'accord? Et c'est pour vous montrer. Il n'y a pas besoin de grosses charges. C'est une séance de muscu, mais mode cardio.
et c'est le moment de faire quelque chose, de bouger au maximum, parce qu'on est tous confinés, évidemment, et on peut faire encore une multitude de choses. D'habitude, on utilise des lestes, des élastiques, des ballons, d'accord, ou des haltères. Mais on voulait vous montrer un petit aperçu de ce qu'on est capable de faire. Et on aura encore quelques séances. D'accord? On termine. Tranquillement. Allez bien chercher vos obliques. Pensez à bien souffler. Pensez à remercier pour la chance qu'on a de pouvoir faire du sport. On mange. On est tranquille chez nous. On a de quoi dormir. On est à l'abri. C'est le genre de séance que tout le monde peut faire, même quand j'ai mal à un bras, d'accord, peu importe, même si j'ai mal à un genou, même si j'ai mal au bas du dos, les lombaires. N'essayez pas de faire comme Stéphane, d'accord, faites ce que vous pouvez et faites-vous plaisir. Sentez-vous bien, sentez-vous fort, en bonne santé. Beau et belle. Allez, encore une petite minute de retour au calme. Si vous continuez à faire ce genre de séance, en plus de ce que vous pouvez faire par ailleurs, vous verrez, vous aurez de beaux résultats. Soyez-en convaincus. Allez, vous pouvez continuer chez vous, à travailler un petit peu vos oubliques avant de décrocher, d'accord ? Pour vous dire que je vous aime fort. Merci d'être venu. Merci de participer. Merci de liker. Merci de partager. Un gros bisou en particulier à l'association et à mes enfants chéris. Je vous aime tous très fort. Bye, à la prochaine.